Salut tout le monde, c'est Kaigeek, on est de retour sur Minecraft Hardcore en 1.17. Alors, on est reparti dans la grotte. Non, j'ai fait une capture d'écran. Bref, on est reparti. Alors, on va explorer. Alors, je vais tout de suite me faire des torches car il me reste que 8. Alors, les sticks, c'est ici. Bon, je n'ai plus de charbon. Ça pique énormément. Donc, ici. Ok, bon, je vais prendre ça. Il y a de la lave. C'est quoi ça? Un squelette? Je la récupère quand même. Je suis pas très serein. Oh, du diamant. Je vais me protéger au cas où. Je vais me faire une pioche, ouais, en diamant, ce serait plutôt pas mal. Tac. Voilà, parfait. Je la récupère la table de craft. On repart en haut. Enfin, on repart pas en haut, mais dans la grotte. Fait, le problème, c'est que s'il y a un creeper là qui saute sur moi, je sais pas si je vais réussir à la. Le bouclier. Oh! J'ai vu un truc vert, je fais. C'est quoi? Donc, on remonte. Il y a des touches pour rien, donc je prends celle-ci. Putain, mais il n'y a plus de charbon, je crois, dans cette couche. C'est ce qui me fait énormément peur. Oh! Je crois qu'on va vite remonter. À la surface. Ah, je fais n'importe quoi. Si on est déjà plus serein, je prépare la gapple. Je vais tenter de retrouver la base très vite. En vrai, faut avoir Night Vision pour y aller. Non, mais je sais pas. En vrai, je vais regarder pour faire les potions. C'est quoi les trucs? Bon, je remonte et on se retrouve juste après. Bien, je suis enfin remonté à la surface. Ici, il y a une petite maison dans l'eau, donc je vais regarder s'il n'y a pas un truc intéressant. Il y a juste un magma block. Je la récupère vu qu'il n'y a pas beaucoup Bon, par contre, la maison, je sais pas du tout où elle est, mais je sais à peu près vers quel biome elle est. Donc, elle est à peu près dans un biome comme ça avec une grande montagne en face. Je sais pas du tout vers où, mais je vais regarder un peu. Alors, on va switcher d'arme. Voilà, enfin, c'est pas une arme, mais c'est une pioche.
Donc, on va allonger. Hop. Par contre, ouais, c'est problématique si je sais pas où aller. Surtout que j'avais tout le stuff qui était rangé dans les coffres. Bref, on se retrouve dès que j'aurai enfin retrouvé la maison et j'aurai peut-être fait un petit screenshot pour me rappeler des coordonnées. Bon, on est de retour. Alors, on n'est pas du tout dans la bonne direction pour retrouver la base. Elle doit être à 1000 blocs vers là-bas. Je regardais par rapport à la dernière vidéo. Normalement, c'est en 2300, 5100 à peu près. Donc, ouais, il faut vraiment que j'y aille. Vu que c'est un peu loin, je vais tout de suite le faire avec vous. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la route? Ça serait bien qu'il n'y ait pas un peu de nourriture. J'ai trouvé une émeraude, peut-être sur un peu de me vers là-bas. Donc ouais, j'ai vraiment tourné en rond. Allez, on grimpe. Petit bloc. Hop. Là, il y a du charbon. Je récupère. Bon, je viens à peine de trouver un truc du dé. Un portail du Nether. Alors, je vais le piller. Je vais prendre les blocs de magma. Il y en a un. Oh, mais je crois que je suis. Ouais, d'accord, je croyais que j'étais fou, mais non. Bon, j'en rate de 3, mais bon, pas grave. Solidité 2. Je vais peut-être pas le prendre. Ça, je prends. Après le sable, j'en ai besoin un peu. J'enlève les rails. Voilà, rester ça comme ça. Et je prends lui, ça part. Oh, il y a encore un autre village. Allez, on va tout piller. Encore une torche. Une torche sur le bâtiment. Très étrange comme moyen technique. Alors, je récupère, j'enlève les barrières. Allez, go. Ouais, bon, les stats, c'est pas grave. Je prends les pommes vu que c'est quand même assez bien pour me faire des pommes. Bon, j'avais la pêche en pierre pour faire des pommes en or. Alors, ouais, bon, je vais pas prendre le fou, je suis fou. Des émeraudes, très important. Les pommes, je les ai pas vues. Là-dedans, il n'y a pas un truc. Ceci, je l'ai pillé, mais. Ah non. Le livre, je pense que je vais prendre à la place du fou. Après, du pain tenu en cuir, c'est pas ce qui m'intéresse. Ok, là j'espère qu'il y aura peut-être un bon truc dans le dans la forge. Oh, bon bah de l'eau, si ça c'est pas mal. Le plastique ne prend pas. Mais la cloche, n'hésitez pas. Moment pub, n'hésitez pas à vous amoder, mettre la cloche, mettre un petit pouce bleu aussi. Alors. Ok, bon. Je vais tout de suite prendre les coordonnées à y aller. Alors, non, là on est en plus. Nous, c'est en 2300. Ah, un peu là-bas. Mais attends, c'est pas 2300. Ouais, c'est tout droit là-bas. Bon, bref, on se retrouve dès que j'aurai bien avancé. Ok, je viens enfin de retrouver la maison. Donc, ouais, c'est pas trop tôt. Bon,
J'ai aussi pris quelques arbres qui étaient ici, comme ça j'en mets ici. Je peux en mettre trois à côté. Un là. Un ici. Et un vers ici. Et le dernier ici. Donc je continue à faire la maison. Je vais faire une maison un peu plus vers ici avec. Ouais. Va faire un truc un peu comme ça. Qui elle va reprendre. Ouais, ici. Est-ce que je me fais une petite terrasse? Bon, je verrai plus tard. Hein. Alors, ici, je prends place. Il va commencer à faire nuit, donc je vais peut-être prendre le lit. Alors, je remplis ici pour pas qu'il y ait de mobs. Voilà. Je vais manger mon stuff. Je vais tout faire cuire. Hop. Ça. Ça. Je le range là, l'alambic. Et je vais. Oui, c'est vrai qu'il fait pas nuit. Alors, je prends un stack. J'ai repris du bois exprès pour faire les murs, tout ça. Donc, je vais me servir du bois de sapin pour faire le sol. Donc, je vais me faire une. Attends, je vais tout faire cuire. Alors. Le minerai de fer brut. Là-dedans. Hop, on dort. Et on va commencer à faire la maison. Donc, je sais pas si je vais faire une coupure ou non. Je verrai par rapport à la vidéo si elle est assez longue ou courte. Tac, tac, tac. On prend ça. Un morceau de fer. Hop, il est sur moi. Alors, une pelle en fer. Et on commence. Bon, petit problème. J'avais oublié qu'il y aurait peut-être pas assez. Il n'y a pas d'arbre de sapin. Bon, j'irai en ramasser vers là-bas. Pour le moment, je vais replacer la dirt. Qu'est-ce que je pourrais mettre au sol? Bref. Alors, ici. Début. 1, 2, 3. Aïe. 1, 2, 3. Bon, ici, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, ça sera une maison avec deux portes. Ça, c'est parfait. Voilà. On se refait du bois et on va commencer à mettre ça. Voilà. On n'a pas beaucoup avancé, mais on va dire que pour le début, ça suffit largement. Je vais pouvoir faire quoi d'autre? Non, je vais rien faire avec. Je vais mettre la canne à sucre pour que ça pousse. Ici, c'est parfait. Il y a énormément d'eau. Il m'en reste 30 et je vais commencer à faire des pages ou des livres parce que j'ai déjà assez de cuir. Ah, bon. J'ai voilà, comme ça on va prendre une table de craft, du papier. J'ai eu l'impression d'avoir vu un Enderman. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est Herobrine. Et on va faire des boucles. Ah oui, mais il me fout du bois. J'avais oublié.
Donc, j'ai déjà un livre. Je vais ranger le sable. J'ai une hache. Oui, parfait. Je prends ces deux armes, ça suffira pour le début. Alors, paf, on ramasse. Et on part faire les bouchers. Et je vais les faire vers là. Ah oui, j'ai pas fait les ça. Yes. Alors, on partage. Voilà. On met le cuir et on en fait 11. Le début, ça suffira. Les livres. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de mettre les bûches. Voilà, on en fait 3. Et je vais les faire ici. 1, 2, 3. Bref. Tac. Ah oui, ça c'est pour réparer les enchantés. Je range les livres ici. Qu'est-ce que je peux crafter d'autre? Un bateau, ouais, je vais peut-être m'en faire un après. Un bateau, très important. Table de forgeron, ouais. Ça suffira. Alors, table de forgeron. Ici. Le bateau là. Parfait. Et je vais peut-être commencer à faire un chemin. Ah oui, la porte. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que je remplace. Il y aura de la dirt par terre, mais bon, ça suffit. Je vais faire cuire le sable. Paf. On met ça ici. Je la porte. Dirt, tac. Ici, on peut simplement passer s'il y a des mobs. Ouais. Bon, ça c'est pas grave, j'irai mettre ici. Bon, j'attends d'avoir les fenêtres et je vais commencer à mettre des fenêtres ici et on finira la vidéo sur ce. Bref, alors. On est déjà à 20 minutes de vidéo, mais vu qu'il y aura énormément de coupures, je verrai. Allez, donne-moi. Par contre, j'ai pas la voix défoncée, donc je suis désolé. Je vais prendre ça, mettre les graines là-dedans. Ah, j'ai commencé à faire le potager. En attendant que ça cuise. Alors, vite. Tac. Graines de blé. Bon, je les fais vers où? Bon, je le fais vers là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça là, ça suffira, une seule source, vu que ça jusqu'à 7 blocs. On revient prendre le sable qui est devenu en vitre. On se fait des vitres. Très, voilà, des vitres simples. Et on se les pose là-dedans. Hop. Voilà, ça fait déjà une. Il y en aura sûrement une ici. On verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Mettre le pouce bleu, c'était Kaigeek. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.